안전해진 걸까? 트리트리 괜찮아. 위험하지 않아. 왠지 그런 느낌이 들어. 원래 이랬던가? C'est YouTube. Je voulais commencer cette vidéo avec le trailer, le nouveau trailer qui est sorti aujourd'hui sur Seven Deadly Sins Origins. Un jeu qui va être un gros concurrent à Genshin Impact dans le futur, je pense. Ils ont sorti du coup un nouveau trailer qui annonce sa sortie prochainement. En tout cas, il sortira cette année, c'est sûr. Quelle date, encore une fois, ils ne disent jamais trop de dates. Hein. Il faut toujours attendre un peu le dernier moment pour avoir une release date officielle. Mais en tout cas, voilà, il nous montre encore un petit peu plus de gameplay par rapport à ce nouveau jeu Seven Deadly Sins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, ce que vous avez pensé du trailer, est-ce que vous attendez le jeu tout comme moi. N'hésitez pas à me le dire. Et je voulais aussi vous parler de Solo Leveling, où ils ont partagé du coup un site avec un Discord officiel où vous avez des Français dessus. Donc voilà, ça commence à un peu avancer. Il y a un Twitter, il y a un Facebook, il y a Instagram. Voilà, il commence à faire de la pub sur le jeu. Donc on imagine une sortie qui se rapproche. Je crois que sur le site Netmarble, il parle d'une sortie sur le deuxième trimestre 2023 pour le jeu Solo Leveling. Un jeu qui sera en français, ce qui est très très intéressant. Vous voyez que le site là actuellement est en français. Je n'ai pas eu besoin de le traduire. Donc voilà. Un gros jeu qui va, je pense, nous intéresser prochainement. Je peux même vous montrer un peu de gameplay trailer que j'ai trouvé juste ici. Je crois que je ne vous avais jamais montré de trailer sur le jeu. Mais voilà, de base, c'est un webtoon qui va être adapté en animé très prochainement. Vous avez le teaser de l'animé qui est sorti. Je crois que c'était hier, je crois. Et voilà, vous avez un peu de trailer gameplay du jeu, qui sera du coup sur PC et sur mobile. Et voilà, on va s'attendre à un petit jeu plutôt sympathique. On voit un peu de combat. Plutôt épique, hein, le combat, plutôt sympa. Après, voilà, c'est du trailer, donc on ne sait pas. Mais voilà, une version globale, en tout cas confirmée, ça c'est sûr. Sortie en 2023, ça c'est sûr. En français, ça c'est sûr. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Vous voyez que ça a l'air plutôt sympathique. Donc l'animé va sortir aussi peut-être cette année ou voire début 2023. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous parler du site qui est déjà disponible et vous pouvez aller checker si vous le souhaitez. Hein. Vous avez la présentation du jeu, l'histoire, les personnages, les caractéristiques, les news. Voilà, donc on a le Twitter officiel, etc.
Donc voilà, je voulais vous parler de ça et aussi je voulais vous parler de Honkai Star Rail. On a un peu de nouveautés sur le jeu puisque dès demain, je crois vers midi en France, ils vont faire un live où ils vont parler de la release date officielle du jeu. Ça peut être intéressant d'aller voir ça et puis en plus ils vont peut-être nous teaser d'autres choses. Donc voilà, ça va être, je pense, sur leur site Twitch et YouTube officiel. Peut-être que si je traîne un petit peu sur leur page, on va peut-être trouver des choses. Mais vous avez toujours la préinscription. Voilà, live stream account sur YouTube, sur Twitch, la préinscription où ils vont nous annoncer des petites choses bien sympathiques. Voilà. During the live stream, we'll also announce the pre-installation, les official release dates pour le jeu. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de ça, vous faire un petit peu, vous tenir un petit peu au courant des sorties des jeux, des gros jeux qui sortiront prochainement. Et on a toujours aussi Igan Aerithyll qui va sortir le 6 avril, qui perd, je trouve, de sa hype en ayant sorti cette fameuse soft launch. Je pense clairement que le jeu va faire un gros bide. Parce qu'ils n'ont vraiment pas géré sur la sortie du jeu, ils le sortent en même temps que Honkai Star Rail, donc déjà ça part mal. Et voilà, leur idée d'avoir fait une soft launch, je pense pas que c'est la meilleure idée qu'ils ont eue. Donc voilà, on a des news sur Honkai Star Rail, des news sur Solo Leveling, des news sur 7DS Origin. Voilà, des gros jeux qui arrivent, toujours pas de nouvelles sur Black Clover Mobile, bien évidemment, hein. Sinon ce serait trop facile. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je voulais vous tenir un peu au courant des jeux qui sortiront prochainement. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur bien d'autres jeux. Actuellement, on est sur Summoners War Chronicles, même si j'y joue quand même beaucoup moins ces derniers temps. Voilà, je trouve que le jeu est sympathique, mais voilà, on fait souvent un petit peu la même chose, et puis en live, c'est pas non plus hyper intéressant à streamer, parce que bah, c'est beaucoup d'automatique, même si bah, là, il y a eu du nouveau contenu sur le jeu, donc à voir, mais voilà, on attend quand même des nouveaux jeux qui sortiront prochainement. Pour un petit peu diversifier tout cela, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à partager, à suivre la chaîne. Vous êtes déjà plus de 1170 personnes sur cette chaîne, c'est totalement incroyable, et ça ne cesse d'augmenter. Donc voilà, c'est juste un petit rêve qui se réalise, les gars. Des bisous, ciao, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.